C'est tout le monde, Superman, je parle bien, en tout cas, moi, c'est super. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre, et là, on se trouve pour l'unboxing de l'eau de toilette Dior Sauvage. Donc voilà, tout d'abord, je vais commencer par vous montrer le tour de la boîte. Donc c'est aussi test, et pour vous dire aussi mon avis, car j'ai pris hier. Si vous voulez savoir le prix, je l'ai payé environ 70 euros, c'est le plus petit, sinon il y en avait un, je sais plus combien. Une centaine d'euros, certainement. Bref, je vais vous faire le petit tour de la boîte. Alors, tout d'abord, sur le devant, nous avons le nom. Voilà. Après, je vous dirai sur le dessus. Bien sûr, je vais vous dire mon avis. Hein. Sur les côtés, je vais vous montrer. Car le but de cette vidéo, c'est pas que de vous le montrer, c'est aussi de dire mon avis. Voilà. Je vous laisse regarder. Hein. Voilà. Car je vais refaire des vidéos comme ça, d'unboxing, de parfums aussi. Comme celle-là, et même d'habits. Car c'est un projet que j'ai. Et donc le dessous, peu d'importance. Faire une petite coupure pour vous l'ouvrir et pour vous montrer les détails. Allez, à tout de suite. Je vous reprends juste avant, car là, nous avons un petit motif. Je ne sais pas si vous le verrez bien, voilà un petit motif. Et puis, c'est parti. Donc voilà, une fois sorti, qu'est-ce que ça donne ? Regardez, je vais vous montrer tous les détails. Donc, vous voyez, ça fait un peu en dégradé la couleur là. Dior Sauvage. Je vais vous tourner, je vais faire le tour. Oula, excusez-moi. Une voiture a décidé de klaxonner. Ça ne m'arrange pas. J'espère que ça s'écoutera pas trop en vidéo. Donc là, je vous fais le tour. Regardez aussi. Christian Dior. Donc il est aimanté, hein. Donc je vais essayer de vous le faire à une main. Voilà. Tac, tac, tac. Je trouve qu'on va me voir dans le reflet, j'espère pas. De toute façon, je réglerai, sinon on doit voir que le téléphone. Donc ça, on s'en fout. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à mon avis dessus. Donc, justement, je vais bien vous montrer. Bien sûr, je vais vous donner mon avis. Donc là, il y a un petit motif aussi, je vais vous le montrer si on le voit. Donc, regardez aussi. Voilà, vous voyez, c'est aimanté. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce parfum. Alors tout d'abord, personnellement, je trouve qu'il sent super bon. J'avais déjà repéré depuis quelques temps. Après, si c'est purement moi, bien sûr, je vous le conseille. Mais... faut toujours aller sentir le parfum, parce que c'est pas parce que tout le monde vous dit que le parfum sent super bon qu'il faut à tout prix le prendre, car c'est très important d'abord sentir, parce que c'est pas parce que la grande majorité aime ce parfum que vous forcément vous l'aimerez. Donc ça, je vous apprends rien, mais voilà, je préfère vous le dire quand même, car j'ai pas envie d'influencer certaines personnes. Donc bon, je vous ai, n'hésitez pas d'aller le sentir si ça vous avait fait envie. Sinon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Je vous en ferai certainement d'autres, des vidéos de ce style-là. De toute façon, je prépare dans la semaine d'autres vidéos unboxing qui risquent de vous plaire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !